inaugurons la halle sportive, hein, que nous attendons depuis peut-être très longtemps, dont la réalisation a été assurée à maîtrise d'ouvrage par le département. La ville a réalisé un certain nombre de travaux pour plus de 2 millions d'euros également, et qui, lorsque le transfert de propriété interviendra, va assurer la gestion elle-même de cet équipement, avec du personnel, avec le paiement des fluides, d'électricité, eau, etc. Donc c'est un très bon équipement qui est à côté des terrains et des immeubles qui existent à la SPTT, qui appartiennent à la ville, et ensuite le futur pôle aqualudique que nous réaliserons fin 2019. Donc nous avons dans ce quartier de la ville, disons, un pôle sportif de très grande qualité, et nous nous réjouissons de cette journée qui fait que nous inaugurons quelque chose qui faisait défaut à Carcassonne, notamment pour les sports de salle, hein. Le basket, le volley, le handball, il y a une très belle salle avec 500 places, donc c'est un très bel équipement, et on ne peut que s'en féliciter.